Est-ce que vous connaissez un endroit où vous pourrez passer la nuit? J'en ai aucune idée. Vous pouvez pas rester là. Chiale, Alice, chiale. Fais croire que... Fais-lui pression. Pleure. Ça a rien, Alice. Un motel. On a trouvé un endroit où dormir. Oh. On n'entre pas. On peut pas. On doit trouver $40 et se débarrasser de cet uniforme. Ou chercher un autre endroit. Ou forcer une porte. Merde. Le gars, il va se dire, putain, il est con, lui. Je peux être discret, mais comment je peux être discret? Frigorifié. Ça va, j'ai pas trop froid. Tu as l'air perdu. Nous n'avons nulle part où aller. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. C'est à l'autre bout de la ville. Il nous faut un endroit pour ce soir. C'est Batman. Merci beaucoup. Après avoir donné les indices, il disparaît. Tellement. Tiens, Alice. Merci d'emprunter les bus de Détroit. Ouais, le dépanneur. Ça me fait tellement. Genre, je pourrais tellement me surprendre qu'il se fasse ramasser par un char, genre, ça m'aurait tellement fait rire. Je vois, le magasin est encore ouvert. Au moins, tu seras au chaud. Ça aurait été drôle. Qu'est-ce que tu veux? Je suis avec une petite fille et nous n'avons nulle part où aller. Pourriez-vous nous prêter un peu d'argent pour qu'on prenne une chambre? Merde. Une androïde sans abri? Ça, c'est la meilleure. Écoute, t'es dans une supérette, pas à l'armée du salut, ok? Je pense que tu ferais mieux de t'en aller si t'achètes rien. Petit bâtard. Là, t'as toute la rue. Toute la rue. C'est un indice que je peux te donner. Attends, t'as dit quoi? J'ai toute la rue? Ouais, t'as toute la rue où est-ce que tu peux... Tu peux comment interagir avec d'autres endroits. Mais en vrai, si je fais tomber ses cannes, je peux voler son argent en discrétion. C'est toi qui vois. En vrai, je pense que c'est ça que t'as fait. Peut-être. Ah, moi je dis pas, c'est toi qui vois. C'est pour ça utiliser Alice, c'est énorme. Tu vois ces canettes là-bas? Je veux que tu t'approches et que tu les fasses tomber. Que je les fasse tomber? Mais pourquoi? S'il te plaît, Alice, fais-moi confiance. Il y a des caméras, là. J'y peux passer. Mm-hmm. Tu vas bien? Allez. Allez-y. Tu t'es fait mal? Bon, t'en fais pas. C'est que des canettes. Il s'est rien passé. Allez, on s'en va. Il s'est rien passé.
Run. Chut. Merde. On a de l'argent maintenant. Tu t'es servi de moi pour voler de l'argent. Comment t'as pu? Je te fais confiance. Ta gueule, depuis tout à l'heure tu fais genre t'es morte de froid là. C'est vrai. J'aurais pas dû faire ça. Je suis désolée, je recommencerai pas. Trouver des vêtements, bon, faut trouver des vêtements maintenant. Attends. Tu peux pas voir? Là, je suis carrément bloqué là. Tu vas vite te réchauffer. Ok. Bah quitte le j'en partage. On va refaire. Je vais pas. Ah là je te vois, là je te vois. Ok. Je peux jouer? C'est bon. Je te vois, t'es dans la buanderie là. Je trouve des vêtements. Qui va me détester, mais c'est pour son bien. Mais qu'elle est se faire foutre. Putain, c'est compliqué. Pas besoin de ça. Et qui dort comme ça aussi? Il lave ses vêtements, il dort. Je sais que c'est pas bien, Alice, mais bon, on n'a pas le choix. C'est mieux que ton père qui te frappe. Il a appelé la police. Oh, c'est bon, ils nous reconnaîtraient pas. Ah non, là c'est bon. Putain, j'ai changé vite quand même. J'ai peu peur. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais une chambre. Ça vous fera $40 d'avance. Il me faut juste votre nom et adresse. Je peux voir votre permis de conduire? Je l'ai pas sur moi. Je ne l'ai pas sur moi. Et la petite est fatiguée. Pas de soucis. On pourra voir ça demain. Demain, je me vais par la fenêtre. Demain, je me casse, là. Tu me verras pas. Ah, là, tu Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Viens, Alice. Elle est toute fière d'avoir réussi à signer un contrat. J'ai réussi à signer quelque chose. Bon, c'est parfait.
crois qu'il t'a cru ou pas? Bien sûr. J'en sais rien, Alice. Mais on va être bien au chaud cette nuit. C'est où la chambre 46? J'entends pas de me faire chier à trouver. Piou piou. Hé, hey, on m'a volé mes vêtements. Attention au long. Mais frérot, t'es parano ou quoi? Qui rentre dans une chambre d'hôtel comme ça? Oh mon dieu, y'a Todd! Oh putain! Y'a pareil, genre. Allez, donne-moi ton manteau. T'es un SDF. Ben on est des SDF, non? C'est un Jack Sparrow, en fait. Ouais, exact. Allez, viens prendre une douche. Allez, dans la douche. Allez. Mais bon sang, Alice! Puis tu commences à la frapper. Sa situation a un peu changé. Elle s'est juste enfuie avec une autre mongole. Bon, on va regarder la télé, hein. On va enlever tes vêtements. Ils sont trempés. Là, tu vas te rendre compte que son père la battait plus que tu croyais. Je les mets à sécher dans la salle de bain. C'est reparti pour les trucs ménagers. Elle peut... Ah ouais, direct dessus. Ah ouais, ça prend feu, on s'en fout. Hein. Elle va aller voler quelqu'un d'autre. Exact. Mais c'est bon, dors Alice là. C'est bon, Alice. T'es en sécurité, pourquoi là. Pourquoi il m'a jamais aimé? Oh. Pourquoi il était toujours fâché contre moi? Moi, je voulais vivre comme les autres filles. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être que j'ai pas été assez gentille. C'est pour ça qu'il était toujours en colère. Je voulais juste qu'on soit une famille. Je voulais juste qu'il m'aime. Pourquoi on pouvait pas être heureux? J'en sais rien. Tu me quitteras jamais. Promets-moi de jamais partir. Que vas-tu lui promettre? Je te le promets. On sera ensemble pour toujours? Oui, Alice. C'est toujours bien mentir un enfant. Tu l'abandonnes au coin de la rue, tu t'en vas. Voilà le poste de police, Alice. Allez, je me casse. Faut bien la rassurer, parce que sinon elle dormira pas. Ouais, exactement. Et après, on se casse. Il faut dormir maintenant. Je vais éteindre la lumière, d'accord? Putain. Toi, qu'est-ce que t'as fait comme choix? Toi, ma nuit, elle a été horrible comparée à la tienne. Ta nuit, Alice. Je l'ai remis dans une poubelle. Pourquoi à chaque fois? Toi, c'est vraiment pire. Ouais, moi, je t'ai dit, moi, j'ai fait le jeu. Si je me dis, je fous le bordel. J'ai pris que des mauvais choix. Je vais dire après qu'est-ce que j'ai fait, moi.
Toi, t'as dormi dans la maison abandonnée que j'ai vue tantôt. Pire. C'est vrai, toi, t'avais une arme à feu, t'as dû faire quelque chose avec ça. T'as dit quoi? T'avais une arme à feu, toi, t'as dû faire quelque chose avec ça. Non, l'abandonner. Non, regarde-moi au début, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je me suis dirigé directement à la buanderie. J'ai volé ses vêtements. Ok. Après, je suis revenu. J'ai pas pensé à voler l'épicerie. Ça, j'ai vraiment pas pensé. Le problème, c'est que j'avais plus l'air d'un androïde. Tu vois, quand j'ai mis les vêtements, t'as l'air d'un humain. Okay. Mais quand je suis allé à l'hôtel, bah, j'avais pas d'argent. Du coup, je vais voir la maison hantée. Il n'y en était pas question que je rentre là-dedans. Okay. Après, je marche, je marche, je marche. Je vois une voiture. Tu casses la voiture et j'ai dormi dans la voiture. Ok. Alice a dormi dans la voiture. T'as vraiment eu le pire choix au monde. Moi c'était SDF. Allez voir le déviant. Ah, c'est vrai, moi j'ai encore le robot, moi. Ouais. Il est pas mort, le mien. C'est du rock, ouais. La police des droits demandait un réseau de destruction de Red Ice. L'inspecteur de ce premier au rang de lieutenant. Nouvelle saisie record de Red Ice. Oh, il y a un chien. C'est bien, comme ça on a des informations sur lui. Il devrait plus nous apprécier. Ah bah c'est un gros port de donuts. Et de lait. Ah non, c'est du café. Il en manque un. C'était les écouteurs, je pense, tout à gauche. Tu penses? La plante. Ok. Un ami Oula. du Japon. Une petite fleur du Japon. Je suis content de vous retrouver, lieutenant. Oh, bordel. Hank! Dans mon bureau! Entrez, écoutez. Allez, attends. Explorer le commissariat. Faire avancer l'enquête, aller voir le déviant, écouter le brief. Je peux explorer le commissariat. Je vois pas à quoi ça pourrait me donner. On va aller explorer les bureaux là-bas. Ah, pas Merde, regardez-moi ça. C'est le retour de notre ami l'inspecteur Plastoc. Encore bravo pour hier soir. Très impressionnant. On aurait pu tirer quelque chose de cet androïde si tu l'avais pas foutu en l'air. Ouais, j'ai... peut-être mort. Exactement. Ignoré. Ignoré en vrai. Ouais. J'avais jamais vu d'Android comme toi avant. T'es quoi comme modèle? J'ignore. Qu'est-ce que tu réponds? Ignore-le là. Hé hey, connard, c'est à toi que je parle. Hé hey. Sers-moi un café, Trouduc. Alors là. Tu vas te bouger, ouais! Maman, je sais pas, j'ai pas ce qu'il. Je t'ai donné un ordre! Désolé, mais je ne reçois mes ordres que du lieutenant Anderson. Oh! Oh!
Si Hank était pas intervenu hier soir, je t'aurais défoncé pour avoir désobéi à un humain. Reste pas dans mes pattes, parce que la prochaine fois, tu t'en tireras pas comme ça. Il faut que je sois plus ami avec Hank, sinon lui va me défoncer. Non mais Hank, il t'adore. Ouais, Hank, il m'aime pour le moment, il m'aime bien. D'après plusieurs sources, Cyberlife aurait fourni... Ces gens vont me détruire. Je suis désolé. Ce n'est pas ce que je voulais. Mais il n'y a rien que je puisse faire. Je vais mourir. J'aime même pas qu'il se suicide devant moi. Là. Ouais. En disant ça, il a pas voulu répondre, fait chier. Ça a pas fait avancer l'enquête. Bah, c'est ça que je pensais. Ouais, il est en train de s'autodétruire. Ouvrez la cellule, vite! Allez! Mais enfuis-toi, toi. Je vais appeler Cyberlife. Nettoyez-moi ce bazar. Tu leur parlais, non? J'ai comme l'impression que ma présence vous occasionne certains désagréments, lieutenant. Sachez que j'en suis profondément désolé. Si je fais partenaire, il va pas aimer, j'imagine. Enthousiaste, peut-être. Mmh. Il y a une option que j'aurais aimé avoir, mais bon. Quoi qu'il en soit, sachez que je suis très heureux de travailler avec vous. Je suis sûr que nous ferons une bonne équipe. Je veux pas dire partenaire parce que j'ai vraiment l'impression que si je dis partenaire, il va dire qu'il est pas mon partenaire. Tu vois ce que je veux dire? Ben après, moi, s'il va, t'inquiète pas, il va pas te détester là-dessus. Il va peut-être passer un mauvais commentaire, mais il va pas te détester. Ouais. Maintenant que nous sommes partenaires, vous devriez en faire plus ample connaissance. Je peux m'en aller. Okay. Y a-t-il un bureau de libre pour moi? Celui-là est pas occupé. Ok. Ça commence déjà mal. J'ai de la misère à... J'ai l'impression que le jeu devient de plus en plus dur là. Ouais. Vous êtes fan des Gears de Détroit? Denton Carter a marqué 53% de ses paniers de derrière la ligne des 3 points hier. Avez-vous vu le match? J'étais en train de le suivre au bar hier soir. Oh. Fuck man. Je parle-tu de son chien? Ouais, ça pourrait être quelque chose de bien. Vous avez un chien, n'est-ce pas? Comment tu sais ça? Les poils de chien sur votre siège. J'aime les chiens. Comment s'appelle votre chien? Qu'est-ce que ça peut te faire? Sumo. Il okay. S'appelle Sumo. Il s'appelle Sumo. Si je parle des haines d'Android, il va pas aimer. Si je parle de musique, il va sûrement pas aimer comme le basket. Je pense qu'on devrait arriver sur... Je passe à l'enquête. Arrivez-vous toujours au travail à cette heure-ci? Ah merde, c'est pas ça que je voulais. J'arrive quand j'arrive. Viens pas me casser les burnes, ok? C'est pas ça que je voulais. Je pensais qu'il parlait de l'enquête. Ok, mm-hmm. C'est... Si vous avez des fichiers sur les déviants, j'aimerais les consulter. T'as un terminal sur ton bureau. Fais-toi plaisir. Je me sens vraiment comme une petite pute, là. Ouais. Bah, c'est comme ça qu'il te fait sentir.
Ah ouais? Mais c'est ça le d'avoir Anx, c'est. Ouais, ça fait bizarre. Genre, chaque jeu te fait sentir comme quelque chose d'autre. Ouais. Ok, ça c'est. Toutes des androïdes qui ont été analysés de façon bizarre. Avec lui par exemple, lui a été disparu. Lui a été agressif. Affirme avoir été attaqué par un androïde modèle AV500, un bruit comme serveur de restaurant. Le plaignant affirme avoir été blessé par son androïde. Ok. Le plaignant, directeur d'Elden Club, a signalé la disparition inexpliquée de l'hôtesse androïde. L'androïde a disparu après avoir accompagné le client sur son site, il n'est jamais revenu au club. Tentative de meurtre. Il y a elle, il y a Kara. Ouais. Il y a Kara, c'est pas pire. Agression, elle n'est jamais agressée, elle s'est juste protégée. Mais après, oublie pas que le père il est venu porter plainte. C'est vrai. Le plaignant affirme avoir été violemment attaqué par son androïde domestique. L'androïde venait tout juste d'être réparé la veille et avait déjà fait des preuves de comportement agressif par le passé. C'est là de peindre calme. Ah, ça c'est Marcus. C'est Marcus? Ouais, check. Le célèbre peintre Karl a été retrouvé sans vie à son domicile suite à une interfraction entre son androïde et son fils. Dans sa décomposition, ce dernier affirme que l'androïde avait un comportement violent envers l'androïde, qui serait prototype. Fait que son fils a dit qu'il a été violent à son père. Un papier? 243 dossiers. Les premiers remontent à 9 mois. Tout a commencé à Détroit et ça s'est répandu dans tout le pays. Apparemment, un homme aurait été agressé par un AX400 hier soir. Ça pourrait être un bon point de départ pour notre enquête. On va aller voir revoir Todd, merde. T'as dit quoi? On va aller revoir Todd. Le AX400, c'est carré. Ouais, c'est carré. Agressif, professionnel, compréhensible. Professionnel. Je sais que vous n'avez pas réclamé cette enquête, lieutenant. Mais je suis sûr que vous êtes un professionnel. Ça te dirait pas d'aller te faire foutre? Peut-être pas te dire ça. Je vous suggère de régler vos problèmes personnels et de me laisser seconder quelqu'un de plus qualifié. J'ai jamais voulu faire ça. Écoute-moi bien, connard. Mais comment si tu veux que je prévois que ça peut arriver ça? J'ai juste voulu genre être calme de retirer de ça. Ils sont malades. Lieutenant, désolé de vous déranger. J'ai des informations sur l'AX400 qui a agressé l'homme hier soir. Fais chier. À chaque fois que je vais être sympathique, il faut toujours que Connor fasse quelque chose qui est comme pas sympathique. Toujours le mauvais mot. C'est comme la dernière fois, être un peu menaçant. Fils de pute! Fais chier. Bon, c'était pas mon meilleur à faire. Oh, y'a Connor pis Hanks. God damn it. Lieutenant Anderson, police de Détroit. On est à la recherche d'un androïde qui a commis un vol dans un magasin du coin la nuit dernière. Vous avez vu quelque chose? Un androïde? Non, j'accepte pas les androïdes. Avez-vous vu quelqu'un qui ressemble à ceci? Merde. Je savais qu'il y avait un truc pas net. Elle est arrivée hier soir. Elle était habillée normale, vous savez. J'aurais jamais pu deviner. Elle est encore là? Ouais, sans doute. Chambre 28. Merci. Ah ouais, c'est vrai que j'aurais pu aller dans le camion puis attendre. Comme ça, Kara, elle aurait pu s'enfuir. T'as vu, hein, t'as la même décision que moi, t'as pas envie de l'attraper. Mais si j'attrape Kara, la petite fille pourrait témoigner pour dire que l'androïde lui a sauvé la vie. Ils vont pas la croire. Aller voir un QA.
parti. Oh non. Mais Connor vient, c'est bon. Niveau de danger, fais attention. Ah, si je me suis caché, la police m'aurait vu. Ouais. Mais t'es dans la bonne voie, je pense. La gare est en face. Oh ouais. Oulala. Là. Voilà, 1% il m'a fait stresser. Ouais, moi aussi. Il y a un policier droit devant moi. Mais... Bah, c'est bon, ouais. Il fait 400 kilos, il va faire quoi lui? Il y a un autre policier. Tu vois-tu le policier à droite sur le côté de la rue? Ouais, sur le trottoir de droite, ouais. Ah, c'est un policier ou c'est. Je pourrais clairement traverser sans problème en vrai. En vrai, traverse. Ouais. Traverse. Regarde à gauche, est-ce que t'as un truc ou quoi? Je savais. Ah, c'est un policier. Ah, t'as un truc pour te cacher là. Ah, c'est peut-être pour. Comment ça prendre? Un parapluie. Ah. Oula, c'est un parapluie là. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh non. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, grosse conne? Oh non, putain. Elle a. Vite, lance l'alerte! Par où est-elle partie? Par là. Mais... elle se dirige vers la gare. Elle a replié directement le parapluie. Ouais. Le feu. Elles sont là. Pas court. Il est con ou quoi lui? Ah, j'aurais aimé qu'elle s'en sorte, ça me fait chaud. Ne tirez pas! Il nous la faut vivante! Faut pas que je me foire. Hein. T'as tout compris? Ah non, mais là t'as des manips de fou à faire. Ouais, je vois ça. Hey, t'as fini. Je ne peux pas les laisser s'enfuir. Ils arriveront jamais à traverser. Je ne veux pas prendre ce risque. Hé, hey, arrête! Tu vas te faire buter! Les prends pas en chasse, Connor. C'est un ordre. Ok, pour ça, au moins, Hanks est rassuré. Puis elle, ouais. Je sais que je vais la sauver. Alors, faut pas que je me foie. Je me suis dit que le parapluie ça allait être stylé, j'aurais pu esquiver la police, mais non. Non, c'est vrai que t'as... je sais pas si c'est. T'as accroché une touche peut-être ou quoi que ce soit. C'est bizarre. Parce que moi j'avais réussi à l'ouvrir. Bah, je pense que j'ai accroché une touche. Ça se peut. Mais au final, moi ça s'est fini comme toi là, ça s'est fini sur l'autoroute aussi. Là. Ah ouais, le parapluie ça a rien changé. Non, c'est parce que je me suis trop collé au policier. Mmh. J'ai pris le parapluie, mais il fallait que tu... comme tu regardes derrière. Je vois. Et là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choix. Bah ici, c'est... Attends. Mais toi, t'avais géré les policiers. T'as fait tac, tac, hop. Mais il ne restait que les derniers policiers du parapluie, c'était tout. C'était les derniers.
Ouais, mais comme je sais pas, on dirait que j'ai eu un bug. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'elle a ouvert le parapluie, elle a tout de suite redressé, elle a... je sais pas qu'est-ce qu'elle a eu. Parce que la manip des touches, des fois tu appuies sur L1, des fois tu as une autre couche qui se rajoute, après tu as une autre touche qui se rajoute, c'est bizarre. Ici, je pense que ça serait genre. Que si t'as réussi à esquiver tous les policiers. Je suppose, ouais. Puis Pas de ici, bluff impossible. c'est. Tu te fais ramasser par la voiture, tu te fais. Tu te connards et carameur par l'autoroute. Ouais, c'est possible. Tu vois, il est un peu plus sympathique maintenant. Non, je te dis qu'il est sympathique, mais des fois il est fou. Il y a quelqu'un? Police de Détroit, ouvrez! Reste derrière moi. D'accord. Oh là là. Attends, là, ça sent la merde. Il va se passer quelque chose, c'est sûr. Il y a un truc à droite. Soit que je vais à droite ou soit que je suis Inks. Moi, je vais rester proche de Inks. Au cas où. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Oh, c'est pas vrai, ça pue ici! On s'est déplacé pour... Oh. RT. Sans doute des initiales. Il a mis ses initiales sur sa veste. Le genre de truc que fait ta mère quand t'es en colo. J'ai pas compris ce qu'elle dit à la fin vu que j'ai un écouteur sur deux. Fuck. Non, comme quoi t'étais en colonie de vacances, genre. Ok. J'ai que encore un foutu truc ici. Je vais pas analyser ça, c'est plate. Ok. J'ai besoin. Confirmer que le suspect est déviant. Trouver la source du bruit. Un peu d'air frais. Putain, il est tombé des pigeons. Comment c'est possible? Il y a un trou derrière ce mur-là. Ça paraît qu'il y a quelque chose là, mais je vais quand même vérifier la cuisine. Ça a été l'une de mes missions préférées pour te dire. Ah ouais? Je vais juste te dire ça. Mange pas, fait que c'est forcément un robot. Il y a des animaux. Ah putain, je détecte. Ça a coupé. Non mais il aime trop s'énerver vite. Écrit exactement 2471 fois. C'est le même sigle que l'androïde d'Ortiz a écrit sur le mur de la douche. Pourquoi sont-ils obsédés par ce sigle? R-A-9. On dirait des genres de labyrinthe. Sacrément. Sans bleu, ok. Vrai livre. Moi qui pensais être le seul débile à garder ses vieilleries. Ah, tout le monde est passé bibliothèque. Ok. Il y a sa diode dans les pieds. J'aurais dû me douter que c'était un androïde. Aucun humain ne pourrait vivre avec autant de pigeons. Et sa nourriture aussi. Il aime beaucoup les animaux.
il est en train d'écrire, mais il a eu peur. Ok. Il est couru dans le salon. Il est couru dans le salon. Il manque juste ça derrière. J'arrive pas à le croire. Ce taré. Sauter la gueule. Oh, failli. Rien. Ça aurait pu. Putain, le même labyrinthe. T'as trouvé un truc? Je ne sais pas. On dirait un carnet, mais il est indéchiffrable. Ah. C'est ça le bruit que ça fait, j'imagine. J'adore ces phases d'enquête là. Non, c'est cool des fois. Il y a des enquêtes qui sont chiantes, et il y en a qui sont cool. Donc là, il s'est enfui, ça c'est sûr. Il a fait tomber ça. Il s'est enfui, il a coché ça. Attends, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a défoncé la porte du coup. Non, il y a un truc au plafond. Je disais que j'avais pas vu ça. Ah, saloperie de pigeon de merde! Mais qu'est-ce que t'attends? Rattrape-le! C'est stylé, c'est stylé. On a raté d'y risquer. Raté d'y risquer, équilibré. On a raté d'y risquer. Raté. J'ai raté encore. C'est vraiment, vraiment nice. C'est ça, il est cool.
Je sais pas où je vais. Hop, je... Ah non. Merde. Oh merde. On le tenait. Putain. C'est ma faute. J'aurais dû être plus rapide. Tu l'aurais eu si je t'avais pas ralenti. C'est pas grave. On sait à quoi il ressemble. On le trouvera. Ouais, j'avais pas trop le choix de DX. Hey, Connor. Je parie que j'aurais même pas rattrapé en plus. Ça, j'ai jamais su. Ah, toi aussi, tu l'as aidé? Ouais, pas le choix. Prochaine fois, je le sauverai pas. Le gars, il y a 2% de survie, puis tu le sauves pas. Ah, c'est ça, gars, je pense qu'il serait quand même enfui. Tu vois? Mais j'ai vraiment. J'ai jamais pensé à aller regarder la vidéo. Ah, il y a peut-être gentil. Allez, entrez, ne soyez pas timide. Peut-être que ça fait penser au film Terminator. Plus tard. Ouais, parce qu'on va voir. Un des créateurs du jeu. Oh, les créateurs du. Ce grand dadais. Luther est l'un des nombreux androïdes que j'ai aidés. Il me tient compagnie dans cette. C'est un des créateurs d'androïdes, mais qui est renvoyé de la compagnie. Et du coup, il aide les androïdes qui ont des problèmes. Ah. Ça fait penser un peu à Terminator, le numéro 2 ou 3, je pense. C'est ça qui se passe. Faites comme chez vous. Bah, ça s'est inspiré de fou, là. Comment avez-vous entendu parler de moi? Par un androïde. Dans la rue, il a dit que vous pouviez nous aider. Je vois. Une déviante, hein? Et elle? Elle est humaine. Et vous voulez trouver un endroit sûr où vous pourrez commencer une nouvelle vie. Il paraît que le Canada est très agréable à cette époque de l'année. Les paysages magnifiques, les grands espaces, l'air pur et pas de loi sur les androïdes. L'endroit rêvé pour prendre un nouveau départ. Oui, c'est exactement ce qu'on veut faire. Bien sûr. Je peux vous aider, mais d'abord on doit te débarrasser de ton traceur. Un traceur? Oui, tous les androïdes sont équipés d'un dispositif qui permet de les localiser en tout temps. Je vais t'enlever le tien et vous n'aurez plus rien à craindre toutes les deux. Venez, suivez-moi. Je sais pas si je devais le trace ou pas, mais genre, j'ai juste l'impression qu'il veut prendre les pièces que je... La petite peut nous attendre dans le salon. Non. Bah, faut étudier le personnage, c'est... Bah, c'est vrai qu'il y avait les doigts de cendre bleue. Bien sûr. Suivez-moi. Tout mon matériel est au sous-sol. Il y avait les doigts de cendre bleue, fait qu'il... Ouais, tu vas très bien au sous-sol, c'est bien, continue comme ça. Allez, vas-y frérot, t'es capable. Touriste con. J'aime pas cet endroit, ni cet homme. On y va, j'ai un mauvais pressentiment. Ah. Ce putain de dilemme de merde. Ah. En plus, ce chien, il m'attend à chaque coin, là. Excusez-moi pour le bazar. J'avais besoin d'un endroit où cacher mes machines. Retirer les traces. Et là, illégal, alors
J'ai misé sur la discrétion plutôt que le confort. J'espère que la petite n'a pas trop peur. Non. Non, ça va aller. Tant mieux. Viens, Alice. Oh, par ici, je vous en prie. En plus, ça doit être son garde du corps un peu. C'est assez de temps chaud, il va te rattraper. C'est pour ça qu'il y a un aussi gros robot de... qui le suit, là. C'est ça, tu vois, je peux même pas passer. Je sais pas, j'ai pas confiance, j'ai vraiment l'impression qu'il va se passer quelque chose. Si tu veux bien monter là-dessus... Attends un peu. Entrer dans la machine de Zlato. Le problème, c'est que j'ai pas le choix, genre. T'sais, je peux pas rebousser chemin, je peux pas faire grand chose. Ah non, là, c'est. Peut-être qu'Alice va me sauver. Peut-être, hein. Je vais être honnête. Ça va pas être très agréable. Connu, le traceur cesse de fonctionner chez les déviants. C'est pour ça qu'ils sont si durs à localiser. Hein? Du coup, il n'y a vraiment aucune raison d'enlever le tien. Quoi? Mais vous aviez dit que... Ouais, je sais. Les gens croient ce qu'ils veulent. Vous, les déviants. C'est sûr. Vous êtes si naïfs. Je peux me détacher, hein? Vous venez tous me voir pour que je vous aide, alors. Alors oui, je vous formate. Et je vous revends. Ou je vous garde pour mes petites expériences. Non! Non! Je veux pas être formaté! Laissez-moi! Kara! Oh, je faisais pute, mais j'avais pas le choix. Je pouvais rien foutre. Je peux pas m'en aller. Je pouvais rien faire. Enferme-la. Je m'en occuperai plus tard. Alice! Non, Alice, non! Eh bien, une déviante qui voulait être mère. C'est comme c'est touchant. Et tellement naïf. Le moyen de libérer. Il est grand temps de mettre fin à tes souffrances. Il faut que je trouve quelque chose. Voilà ce que c'est que de rêver. Ça se termine toujours de la même façon. Dans les larmes et la déception. Crois-moi. Ça vaut mieux pour toi qu'on efface ta mémoire et que tu ne ressentes plus rien. Plus de douleur. Plus de... d'espoir brisé. Je t'envierai presque. Kara! Oh, pauvre petite Alice. Oh, on dirait que ta maman ne se souvient plus de toi, hein. Oh, elle t'a complètement oublié. Kara, qu'est-ce qui t'a mis? Allez, ça suffit, viens. Mais... Allez, meurs-toi. Je m'ai mordu. Je vais t'apprendre les bonnes manières, sale petite garce. Allez, réveille-toi. Kara, réveille-toi, Kara. Attends, c'est joli. En fait, c'est un attardé. Qu'est-ce qu'il dit? Rejoins-moi dans le salon. Ok. Je me suis raté. C'est Docteur Octopus ou quoi? Non, non, c'était pas raté. Il faut que je choisisse l'un des deux.
Putain, fais chier là, force-toi le cul. C'est le verre. Ah fuck, j'ai raté. J'ai la même chose que toi, je sais pas s'il y a un autre moyen. Fuck man. T'as pas vu ça au début comme ce que... Il a effacé sa mémoire. Non. Ça ne peut pas être possible. Tu dois t'en souvenir. Fais-le pour elle. Il est joué avec moi. Ah ouais, c'est vraiment c'est plus dégueulasse c'est que je le pensais. Un peu de fil en même temps aussi. Tu dois te rappeler qui tu es. Sinon, la petite mourra. Oh. J'ai réussi à désobéir plusieurs fois, est-ce qu'il va s'en rendre compte? Non, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Des trucs à faire là. C'était sûr qu'il te massait ce gros trou de balle, mais. Bah, t'avais pas le choix. C'est ça, je savais qu'il y avait quelque chose que je voulais juste m'en aller, mais je pouvais pas. Ouais. Je me suis plusieurs fois regardé dans le miroir, peut-être qu'il va s'en souvenir. Qu'est-ce que je faisais beaucoup aussi? Parler à Alice. C'est vrai que parler à Alice, ça pourrait m'aider. Mais répondre à ces questions de merde. Bizarre le mot de la maison. J'essaie de trouver des trucs pour me faire libérer de... Pour rattraper la mémoire. Ouais. Le dîner du maître est prêt. Apporte-le lui. Oui, lui. Terre. C'est ça son dîner, ce que le chat. Et... Vous voulez trouver un endroit sûr où vous pourrez commencer une nouvelle vie. Euh,
Ok, en fait, si tu veux reprendre la mémoire, ce que je pense, il faudrait que tu fasses ce que t'as fait quand t'es rentré à la maison. Genre aller aux endroits où ce que t'as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est sûr, j'ai fait le ménage, le jardin, puis tout ça. Ouais. Faire le ménage. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire de ménage. Ah tiens, il y a des vêtements là. Ça va m'aider. Faites comme chez vous. Pose-le sur la table, là-bas. Il vous l'esquive. Ça va marcher. Laisse-moi vérifier si je peux avoir quelque chose. Une information utile pour retrouver la mémoire. Il y a le fil bleu à terre. Le même fil bleu qu'en bas. Si je l'énerve. Bon appétit. Enlève-moi cette carcasse. Okay. Et mets-la à côté. C'est vrai, en plus, sur son matos. Ouais. T'as entendu ce que j'ai dit? Oui, Zlatko. Se barrer. Dans la pièce à côté. Mon dieu, il spawn là, lui? Oui, c'est cool. T'as pas été vite? Il y a jump en haut de l'escalier? Je verrai ce que je peux faire de la petite. Entendu, c'est cool. Je vous amène la petite dans 10 minutes. T'en reste. Ok, il me reste 10 minutes. Fait que je trouve un moyen de retrouver la mémoire. Ok, souviens-toi. C'est ce que je veux faire. Mais bon. Ok, j'ai 10 minutes pour retrouver la mémoire. Faut que je trouve des trucs que je faisais. Aïe aïe aïe. Souviens-toi. Ça c'est quoi ça? Ouais, c'est bon ça. Le seul souvenir qu'on donne, c'est ça. Alpha.
Je vais retrouver ma bombe. Bah, déjà la connaissance, non. Je repose. Ah non, putain. Elle connaît pas cette technique. On doit quitter cet endroit. Suis-moi sans faire de bruit, d'accord? Ça va discret. Bon, on peut passer par l'arrière. Soit que je fous le feu. Oh, on fout le feu. Luther? Attends un peu. Ok, là c'est un moment stressant. Oui, Slatko. J'ai terminé. Va chercher la petite. Très bien, Slatko. Bah, ça fait pas 10 minutes, là. C'est exactement ça. Ok, attends. Bonne fée. Ouais, c'est ça. Non, faut se cacher. Soit que je prends le truc feu, soit je mets le feu, soit je me cache. Mais bon, le gars, il y a un crypto-analyse, je pense qu'il va me trouver. Ouais. Bon, vas-y, je fous le feu. Slatko ! Quoi ? Voilà. La petite a disparu ! Elle n'a pas pu disparaître comme ça ! On doit se dépêcher, ils vont arriver. Bon alors, qu'est-ce que t'attends ? Va le chercher ! Mais fuir par où? Attention. Attention, Kara! Ça va pas. Il est obligé de l'écouter son maître. Ouais. Bien sûr, j'ai rien dit. Ça sert à rien de courir! Vas-y, on va pas les quitter. Shotgun. C'est délicat ou là? Tu es chier. Il y a Hulk dans la salle là. Ah ouais, il y a Hulk, hein. Il soulève, hein, ça me plaît. Chier. Oh le ski. Oh là, il y a un. Il est fou quand même. Ouais. Le gars il s'en fout que ça brûle dans sa maison. Ouais, ouais, ouais. Non, il veut juste la fille, il est bizarre les gars. Ah, la porte. La porte d'entrée est fermée, c'est bien. Il a un fusil à bombe derrière toi aussi. Hein.
La maison est en feu, mais... Il y a Michael Myers qui te suit, là. Oh, Alice, ouais. C'est vraiment pas le temps, là. Vas-y, Alice. Non, non, je te laisserai pas. Cours, cours le plus vite possible. Je t'avais prévenu, hein. Les rêves se terminent toujours par des pleurs. Tu aurais dû m'écouter. Qu'est-ce Merci, que tu ça. Fais Bouge-toi de là. Non. Pas cette fois. Allez, bouge-toi, je te dis, ou bien je te tire dessus. Merci, Luther. Yes. Comment Bad boy. Comment C'est rendu un mode zombie. Hein. Bah, allumez le courant, tu vas pas manger. Moi, qui vous a fait sortir Donnez le couteau. Allez-vous-en. Obéissez, je suis votre maître. Je suis votre maître. Tu vas juste voir le zombie, c'est tellement drôle. Il est en train de taper sans bras. Mais est-ce que tu t'attendais à ce que Luther prenne ton side? Non. T'as vu, c'est fou, hein? Mais je pensais pas qu'il aurait été aussi rapidement dehors, eux. Ouais. Ils ont vraiment spawn dehors. Ah ouais, j'ai bien fait mettre le feu. Mais par contre, je voulais prendre le shotgun avec moi. Il m'a programmé pour lui obéir. Mais quand j'ai vu la petite risquer sa vie pour te sauver, c'était comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois. Je voyais enfin. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance après ce que j'ai fait. Mais je connais quelqu'un qui peut vous aider à traverser la frontière. Je peux vous conduire à elle. Je vous protégerai. Ils vont venir à l'engueil. Toi et la petite. Ok. Je te fais confiance. J'ai eu si peur de te perdre. Bon, ça s'est bien fini. Mm-hmm. Ça s'est passé comment, toi? C'est tellement la même chose que toi. Ah ouais, t'as mis le feu aussi? J'ai mis le feu aussi. J'ai pas pris la porte de devant. Il y a quelqu'un? Oh, je sonne. Hein. Oh, je sens que ça va pas lui plaire. Ça. Ça va s'arrêter, non. Ah non, il fait comme Steven. Du calme, Sumo. Je suis ton ami. Tu vois? Je connais ton nom. Je viens sauver ton maître. Ah oh, non, il s'est juste saoulé. De vomi. Lieutenant. Debout, lieutenant. C'est moi, Connor. Je vais devoir vous dégriser pour votre sécurité. Ça risque d'être un peu désagréable. Androïde de mes deux. Dégage d'ici, putain. Je regrette, lieutenant, mais j'ai besoin de vous.
Merci d'avance pour votre coopération. Oh, putain, mais dégage de chez moi. C'est bon, attaque. Bon chien. Attaque. Merde, j'ai envie de gerber. Ah, laisse-moi tranquille, sale con. J'ai pas l'intention de bouger. Mais qu'est-ce que tu fous, là? J'ai pas envie de prendre un bain, merci. Désolé, lieutenant. C'est pour votre bien. Arrête ça tout de suite! Arrête ça! Qu'est-ce que tu fous ici, putain? Un homicide a été signalé il y a 43 minutes. Je ne vous ai pas trouvé au Jimmy's Bar, donc je suis venu chez vous. Je dois être le seul flic de la Terre entière à se faire agresser chez lui par son larbin d'androïde. Tu peux pas me laisser tranquille. Vous semblez avoir des problèmes personnels à résoudre. Vous devriez consulter un professionnel qui vous conseillera. Barre-toi, fous le camp chez moi. Allez, casse-toi. Je comprends. J'espère sincèrement que vous finirez par régler vos soucis personnels. Cet homicide, là, qu'est-ce qu'on a comme info? Un homme a été retrouvé mort dans un bar à hôtesse du centre-ville. D'après le rapport, un androïde serait peut-être impliqué. Ça me ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air. Mes vêtements sont dans le placard de la chambre. Je vais les chercher. Bon, y a pas grand chose à analyser de Hanks, on connaît pas mal tout de lui. Que voulez-vous porter? Rien à foutre. Mon dieu. Et puis. Bon dieu, c'est quoi cette merde? Est-ce que ça va, lieutenant? Ouais. Tout baigne. J'arrive dans 5 minutes, ok? Bien sûr. Ah, pourquoi fallait le voir? Maintenant, j'ai pété sa fenêtre, réparer sa fenêtre. Attends, je peux retourner dans sa chambre. Ouais. Ouais. Mais il est clair que la tension monte entre les deux pays. De nombreux experts s'accordent à dire que la menace d'une troisième guerre mondiale. Troisième guerre mondiale. Se précise de jour en jour. De son chien, on va aller voir ça. Son hamburger favori. Que j'aurais pensé. Ouais, ça je pensais. Sa fille ou son fils est mort. Il a perdu son fils, il boit comme un trou. De jour en jour. Ouais. Il tentait à vouloir se tuer. Le
des strip clubs, let's go. Les androïdes les plus sexy de la ville. Je comprends pourquoi t'as insisté pour c'est pas fait. Oh, misère. Ah, c'est avec les mains. C'est pas lui le déviant? Regarde-moi ça, là. Connor! Ouais, bah, des femmes. Qu'est-ce que tu fous? J'arrive, lieutenant. Attends, mais il y a spawn devant moi. J'avoue de regarder l'affaire. Connor! T'allais quand même pas me retirer ma licence. J'ai rien à voir avec tout ça. L'enquête est en cours. Il se frotte les mains, Connor. Il n'y a aucune information pour l'instant. Ah, lui, salut, il... Hank. Salut, Ben. Comment lui, ça il va? Se frotte les mains, genre. Gavin est là aussi. Ah, génial. Un cadavre et une tête de nœud, j'ai tiré le gros lot, moi. Il y a un homicide, fait que c'est pas sûr. Attends, l'autre il fait son truc là. Ok, lui il veut. Hein. Mon dieu. Ah non, pas lui. Lieutenant Anderson et son petit toutou, qu'est-ce que vous foutez là? On nous a assigné toutes les affaires impliquant les androïdes. Ah ouais? Vous perdez votre temps. Encore un pervers qui avait pas le cœur bien accroché. On va quand même jeter un œil, si ça te fait rien. Allez, on se casse. Ça commence à sentir l'alcool ici. Bonne nuit, lieutenant. Bon. Les amis les victimes, les amis l'androïde. C'est parti. La scène de crime. C'est vraiment dégueulasse ce que tu fais, putain. Tu vas encore me faire gerber. Modèle 401. Diagnostiqué. Dégâts critiques, dégâts critiques. Ok. Déjà, il doit avoir un truc qui s'est... Mais Inks est dans mon chemin. Alors moi je commence de plus en plus à l'aimer Inks. Ah, ce que je te dis, c'est... Tu t'accroches à lui. Même si des fois c'est un fils de pute. Je sais que... Attends, c'est quoi déjà? Il y a une fin qui est... J'étais allé voir combien il y avait de possibles fins dans le jeu. Je pense qu'il y en a genre 8, je pense que je sais. Quelque chose comme ça. De Robert Cummings. Ouais. Puis j'ai vu qu'il y avait là, une des pires fins, genre. Tu vois, Hanks, quand il était sous mort, genre à terre. Ouais. Si tu fais tous les mauvais choix, puis tous tes personnages meurent, ben Hanks se crée une balle dans la tête à ce moment-là. Ah ouais? Ouais. Puis tu as un trophée qui est écrit genre la pire fin. Ok. Du coup, ton jeu est fini super tôt. Ouais. La fille essaie de l'étrangler. Hein? Il n'est pas mort d'une crise cardiaque. On l'a étranglé. Ouais, j'ai vu les contusions sur son cou. Mais ça ne prouve rien du tout. Peut-être que ça l'excitait. Le permis de conduire est au nom de... Michael Graham. Il y a une carte de crédit. La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. C'est dans tes cordes. Elle est quand même très endommagée. Si j'y arrive, ça ne tiendra qu'une minute. Peut-être moins. Espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose. Allons, calme-toi.
savoir ce qu'il s'est passé. Est-ce qu'il est mort? Dis-moi ce qui s'est passé. Il a commencé à me frapper. Encore. Et encore. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il voulait pas. L'as-tu tué? Non. Non, c'était pas moi. Étiez-vous seul dans la pièce? Y avait-il quelqu'un d'autre? Il voulait jouer avec deux filles. C'est ce qu'il a dit, on était deux. Où est passé l'autre androïde? A-t-elle dit quoi que ce soit? Elle est morte. C'est pas elle qui l'a tué, c'est l'autre androïde. L'autre androïde a vu qu'il battait l'autre, et du coup elle l'a tué. Ça s'est passé il y a environ une heure et doit être à Perpète. Non. Impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Tu crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du club? Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Ah, merde. Il doit bien y avoir un moyen. Peut-être un témoin oculaire, quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Je vais interroger le gérant, peut-être qu'il a vu quelque chose. Fais-moi signe si t'as une bonne idée. Connaissiez la victime? Non, enfin, il est venu deux ou trois fois, peut-être. Ces types ne sont pas vraiment du genre à part, vous savez. Ils viennent, font leurs affaires, et ensuite ils repartent. Vous avez déjà eu des problèmes avec les androïdes? Non, jamais. Enfin, si. Une fois, on a perdu une unité il y a deux ou trois mois de ça. Le même modèle. Elle a disparu et on ne sait pas ce qu'il y a. Bah là, frérot, il veut juste baiser, là. J'imagine que vous... Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir? T'as trouvé un truc? Peut-être bien. Pouvez-vous louer cette tracy? T'es vraiment un taré, Connor, on a mieux que ça à faire. Lieutenant, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Ils vont la louer, puis ils vont la questionner. Donc ça va faire tâche sur mes notes de frais. Y'a pas de quoi. Ravi de vous rencontrer. Suivez-moi. Je vous mène à votre chambre. Ok, et maintenant? C'est quoi, c'était quoi le détail? Une tressée aux cheveux bleus. A quitté le... Okay. Le cheveu bleu s'est dirigé vers l'entrée. Putain. Elle a vu quelque chose? De quoi tu parles? Elle a vu quoi? La déviante quittait la pièce. Une tressée à la chevelure bleue. Le club efface la mémoire des androïdes toutes les deux heures. On n'a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. Elle. Non, peut-être pas. Ça a intérêt à... Tabarnak. Elle est retournée dans le club. Okay. Il a vu la tressie aux cheveux bleus. Je sais par où elle est passée. Alors dépêche-toi. Je pense. Je peux pas y faire louer un autre truc, ça marchera pas. Non, si tu demandes. Comment tu peux savoir lequel a vu la tressie aux cheveux bleus, hein? Je sais dans quelle direction. Je pense par là, c'est logique. Dans la pièce rouge. On va voir le gain. Bah, pas le choix. Se
Oh bordel la revue. Tu fais des 360. Elle est pas dans son champ de vision. Ça veut dire qu'elle est à ta droite. Elle est dans ta zone morte. Ouais, raison. L'android n'a rien vu. J'ai fait une erreur quelque part. Ça veut dire, va voir si tu veux vraiment être sûr. Après t'es en train de guess, moi je te conseille, retourne en arrière, ouais. Retourne dans l'autre salle et demande à un des... va sonder un des... de ceux qui sont à gauche là. Ou lui, ouais. Dégage. Ça va écouter cher. Non. J'ai encore perdu sa trace. J'ai dépensé un paquet de thunes et on peut pas dire que je m'amuse. Elle est là. Ah. Ok. Pièce bleue. En fait, t'es obligé de l'avoir pour passer à la pièce prochaine. Ouais, c'est... En vrai, celui à gauche, il y a une champ de vision Zerek. Ouais. Ouais, lui, il a surtout. À moins qu'elle est repartie à droite, là, tu peux pas l'avoir. Exact. Oh, quoi? Fuck. Non, il est avec une femme. Ouais. Le jeu m'abate. Non. J'ai encore perdu sa trace. Là tu comprends... Ok, tu veux pas prendre le gars à droite là? Non, je pense qu'elle est partie ici, elle s'est cachée ici. On va prendre elle. Si j'arrive à la retrouver. Soit qu'une seconde... Ouais, c'était sûr. Elle est retournée vers l'entrée, ça veut dire. L'android n'a rien vu. C'était une erreur. On va demander à l'android d'à côté du ça concierge, peut-être, non ouais. Gueule, Hanks. Ça m'a concentré. Ouais, sûrement celui à côté, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle est partie ici, puis le jeu va me faire... Non, j'ai encore perdu sa trace. Dégage. Tu concierges. Mais ça n'a aucune logique, elle s'est téléportée. 43 secondes. La déviante était là. Ah merde, il y avait des robots juste là. Rien du tout. Okay, la tressie aux cheveux bleus n'est pas passée par là. N'est pas passée par là. Fait qu'elle est sûrement dans la private room juste à côté, mais il faut que je trouve le bon robot qui monte. C'est ça qui est con, genre. Ouais, qui a les yeux au bon moment. Voilà. Ouais, c'est bon. C'est vrai de ça. Fais chier. Lui, il a rien vu à gauche. Donc, soit elle est repartie vers l'entrée ou soit elle est partie à gauche ou à droite. Mais là, je sais pas qui faire. Lui à gauche, je l'ai fait, il a rien vu. Je peux prendre celle de la 23 ou je vais au fond là-bas. Je tente quoi, la 23 ou, ou dans le fond? C'est toi qui vois. Hein. Vous voulez? On va faire la 23. Hank, ça va te coûter un bras, n'est-ce pas? Non. Alors, si je reprends la 24, je peux peut-être voir. L'android n'a rien vu. J'ai fait une erreur quelque part. Ça doit être l'enquête la plus onéreuse de toute ma carrière. C'est une blague? Elle est disponible, c'est quoi? La 21, je peux pas.
Mais le 21 avait l'air d'avoir fini ses bails, fait que peut-être qu'il peut voir la fille. C'est trop tard. Leur mémoire a été formatée. Nous ne saurons jamais si l'un d'eux a aperçu Tracy. C'est ma faute. Je n'ai pas été assez rapide. Ah, pendant un moment, j'ai bien cru que t'allais te rendre utile. Putain, on fiche le camp. Mais qu'est-ce que c'est vraiment trop glauque comme endroit. À quel moment le robot a pu voir la fille sortir? Il n'y a pas de logique. Elle l'a vu rentrer, mais on peut pas la voir sortir. Putain, j'ai raté cette... Ah, c'est tough. Si je parle de son fils, va-t-il être vénère? Si je parle qu'il voulait se suicider, va-t-il être... J'ai aperçu une photo d'enfant dans la cuisine chez vous. C'était votre fils, n'est-ce pas? Ouais. Il s'appelait Cole. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête. On tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Ça cause des humains. Il doit bien y avoir un lien. Ouais, la maltraitance. La maltraitance. Nous savons que les déviants ont éprouvé un choc émotionnel. Un violent traumatisme ou un sentiment d'injustice. Ces filles à l'Eden Club, elles avaient de quoi éprouver un sentiment d'injustice. Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? J'aurais voulu qu'on trouve la fille qui a tué ce gars. Elle avait peut-être une raison. Peut-être qu'elle ne cherchait qu'à se défendre. Attends. Insensible, il n'y a pas de sentiment là-dessus, ironique. Mais qu'est-ce que ça aurait changé? On sait ce qui s'est passé. Une machine défectueuse a tué un humain. Et si on parlait de toi, Connor? Oh. T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi exactement? Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire? Votre copain de comptoir? Ou juste une machine? Conçue pour accomplir une tâche. Tout ce qui compte à tes yeux, au fond, c'est ta misérable enquête. Pas de doute. Pas d'erreur. Pas de point faible. Un être humain, tout comme moi. J'ai pas vu en moi. Désolé, mais je ne vois pas où vous voulez en venir. Oh, est-ce que t'as peur de mourir, God damn it. Si je dis oui, il va dire ma peur. Si je dis non, mais... Pas vivant. Si je dis pas vivant, le G qui va te dire arrête avec tes propos robots de merde. Ouais. T'as vu comment il est chiant? Oui, il est chiant. C'est ça que je dis, c'est le personnage le plus chiant. Si je dis non, ça devrait être pas super. Pourquoi devrais-je avoir peur? Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette? Je meurs. Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Rien. Ouais. Bah... Rien du tout. Il n'y aurait que le néant. Yes. Oh. Où allez-vous? De mettre une mine. Besoin de réfléchir. Pauvre lui, il vient de payer 1 200 $ en prostituée. Maintenant, il va se bourrer la gueule tous les jours. Putain, il y avait un choix qui me tuait. Ouais, c'était sûr. Tu t'es tué, toi?
Non. Il reste en vie. Ouais. Ah ouais, il a fait une roulette russe. Check, photo vue dans la Ouais. dans roulette russe. Fait qu'il a pas voulu, il a voulu se suicider, mais il a fait une roulette russe à la place. Qui aurait pu quand même mourir.